Oui, salut YouTube également. Allez, Darkest Dungeon, ça fait une éternité. On n'a jamais, au grand jamais, terminé le jeu. Je baisse le son du jeu, donc pourquoi pas y arriver. Mais semblerait-il qu'il y a un mode difficile. Alors évidemment tout le monde va faire chier, hein, pour qu'on joue en mode difficile alors qu'on n'a jamais terminé le jeu. Donc on va jamais avancer. Donc vidéo super chiante d'avance. Donc c'est de la merde. Donc mets un post blanc. Je crois que tout est clair. Voilà. Bienvenue, merci aux resubs, on va y aller. Alors j'ai mis le jeu en plein écran pour le présenter sur la VOD en beau 1080p, c'est-à-dire que j'ai le chat là. Je joue pas en difficile, c'est trop dur. On va peut-être jouer en normal, ouais. Ok, ok. Tout de même, le chat qui est dissident a l'air de dire le mode difficile, il a un temps limité, c'est trop dur, c'est la loose. Je vous ai compris. Donc alors j'ai dû racheter le jeu car en effet quand j'y avais joué à l'époque, j'y avais joué sur le compte de Gaming Live. Et donc là on repart, j'ai laissé le tutoriel, comme ça ça représentera le jeu entre guillemets à celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, ce qui serait surprenant. Alors je peux activer plusieurs DLC, Quartier, Le Flagellant et Crimson Court, donc qui est le DLC qui vient de sortir, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui rejouent au jeu. D'un coup, car ce nouveau DLC est sorti, le Crimson Court, qui comprend la région de la cour ainsi que l'ensemble des quêtes, monstres, boss, trésors et intrigues associées. Ah oui. Le système des quartiers, améliorez votre hameau en construisant de toutes nouvelles structures en plus des bâtiments d'origine. La classe de héros flagellant. Il y a plein de choses que je connais pas, hein. On avait joué au début, on avait même joué en Early Access à ce jeu. J'ai mis le patch FR en exclusivité. Est-ce qu'on va encore perdre sur le tuto? C'est quoi ça? Donc c'est ça, lune sanglante, c'est le mode difficile de l'enfer. Radieux tout en restant complexe, sera ajusté pour être plus rapide et indulgente que le mode normal. Donc voilà, c'est ténébreux qu'on va choisir qui est le mode normal. Merci beaucoup Arasaki pour les 15 000 €. Oui. Ah, ah c'est comme ça qu'il faisait Zerator, c'est vous vendez votre mère et vous avez votre nom de personnage. C'est du génie. Mais là, je ne suis pas Zerator, donc on va juste mettre des noms du Schnaps et vous n'achèterez pas vos noms dans le jeu. Quoique je dis ça, on l'avait fait il y a très longtemps lors du Clos de Thon pour les persos d'FF 6. Anyway, merci Kazenichi Murasama. Bienvenue. And my pen is big. Et Madrigal. Et Jojo. LMN. Incroyable. Bon bah ténébreux donc. La boule magique. La spie ça gère. Mais non, je voulais... renommer la partie. Et j'ai cliqué dessus et ça a dit ténébreux direct. J'ai mis les sous-titres normalement. Eh c'est un spinner, Il est où mon spinner? Ah merde. Tu me conseilles radieux pour une première partie? On y avait joué il y a longtemps. Mais y a pas les sous-titres? Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde, Les vicieux, les violents, les bandits, les brigands. Sous leurs serres innocents. Ce sont de vrais brigands. Alors, pour une fois, je vais baisser. Hein. Pour une fois, le son de sub est raccord. Car le son de sub qui dit la boule magique, c'est la voix de Darkest Dungeon. Hallucinant. Le mode normal, je vais pourrir semaine 4. Holy fuck. Merci beaucoup, Tosloho et blabla. Mais c'est terrible ce que vous me dites. Il n'y a pas de sous-titres mais je parle par-dessus. Ouais, ouais, c'est bon. Go YouTube, comme disent les jeunes. Alors ça charge, oui. Non, je clique. Clique, salope. Ok. Alors le tuto, alors, je vous rappelle qu'il y a très longtemps quand je l'avais présenté lors d'un indéfinitivement sur Gaming Live, j'étais mort lors du tuto. C'est absolument possible. Je suis pour l'instant dans une pièce. Si je clique sur une autre pièce sur la carte, cela me fera passer par un couloir, tout à fait. Donc là on est là, on chill, c'est cool. Je sais plus comment on fait pour zoner. Bref, donc j'avance vers cette pièce. Et donc à chaque fois qu'on avance quelque part, on est dans un couloir, il y aura 4 cases, 4 événements potentiels, des ennemis, des pièges, des trésors ou rien. Ah oui, c'est vrai. Alors il est réglé en clavier français, oui, formidable. Donc là pour l'instant, j'ai un croisé à un bandit, c'est normal, les persos du tuto. Et il stresse tout seul et on sait pas pourquoi. Donc évidemment il y a une gestion de la lumière. Pour l'instant la lumière est à 88%. Plus il y a de lumière, plus j'ai des avantages, enfin des bonus pour attaquer par surprise, etc., etc. Moins il y a de lumière, plus je stresse, mais meilleurs sont les loots. Mais moins il y a de lumière, plus on prend cher au cul. Tuez l'ennemi, le combat est au tour par tour. Lorsque c'est le tour de votre héros, clique salope sur une icône de compétence, puis clique sur une cible en surbrillance. Oui. Alors évidemment le placement est très important, on peut avoir un groupe de 4, selon où ils sont placés, ils ont accès à des attaques ou non. Ici par exemple on voit que ouvre-veine, c'est possible comme vous le voyez sur les petits points jaunes quand on est en position 1, 2 ou 3. Et ça attaque les ennemis qui sont en position 1 ou 2. Très bien, mitraille, ça attaque 3 ennemis en même temps. Ok, on s'en fout. Précision de base 95, modificateur de dégâts moins 15%, ça peut faire saignement qui fait du dégât sur plusieurs tours. Et on voit que la cible, là, en ce moment même, à 20% de résistance au saignement, c'est jouable. Paf! Il a résisté au saignement, ma vie c'est de la merde. Il attaque d'un coup de poignard. Paf! Mais c'est douloureux. Saignement! Alors est-ce qu'il a un soin? Fait longtemps. Hein. Accusation zélée, non, c'est du dommage sur 2 personnes. Châtiment, c'est le corps à corps de base. Plus 15 contre impie. Ce n'est pas le cas là, je crois. Coup étourdissant corps à corps avec possibilité d'étourdir. On n'a pas de soin donc faut que je le bourre. On va bourrer. Oh! Et voilà, le saignement c'est terrible. Le butin, donc chaque fois qu'on gagne un combat, en effet. Oui. En effet, on a du butin et là en l'occurrence c'est de l'or. C'est Jacques Delors que tu mets dans mon cœur. Hommage évidemment à Jennifer. Alors, on bouge. C'est Jacques Delors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un campement? C'est une tente? Éléments interactifs, les curiosités. Lors de l'exploration, vous trouverez souvent des objets interactifs. Qu'est-ce que c'est que cette tente? Halte! Quelqu'un a campé ici récemment. Regardez dans la tente. Alors oui, et à chaque fois qu'on croise un événement de décor, on peut faire glisser un objet ici. Car en effet, certains objets vont vous permettre de désactiver des pièges ou avoir de meilleurs loots selon ce que vous trouvez. Qu'est-ce qu'il y a dans la tente? C'est cool. Pas de piège pour une fois. 500 boulesses. J'ai pris le DLC, oui, tout à fait. Alors que la lumière est faible, 70, donc on a plus de stress. Mais on a toujours des bonus en esquive, repérage et pour surprendre les monstres. Il y a un gros bourrin. Faudrait peut-être que je mette les sous-titres au-dessus au final, plutôt qu'en dessous. Alors tir au pistolet me permettrait d'avoir le sbire derrière. Mitraille, ça touche les deux, mais avec une efficacité, comment dire, discutable. Tir de pistache est faible, mais ça permet de booster ce personnage. Lui donner plus de dégâts, de précision et de critique. Ah, je joue le merde Bézier, tout à fait. J'aimerais bien tuer le petit en fait, qui n'a que 12 points de vie. Et qui esquive. Et que ma vie c'est de la merde. Tire à bout portant. Aïe! Il a résisté à je ne sais quoi, ça pourrait faire tir de suppression sur les deux. Résiste et malus, il a un malus à quoi? À l'esquive, d'accord, génial. Accusation zélée, ça touche les deux. On va partir là-dessus. Ah oui mais non, parce que les gros ennemis prennent 2 slots. Donc là il prend le slot 1 et 2. Donc c'est 0. Donc ma vie c'est de la merde. Ah, torche plus 20, il a ça. Je peux augmenter la lumière si je le désire. Pas pour l'instant. Châtiment. La mort au tuto est imminente. Tir de suppression. C'est douloureux. Il reprend le malus. Moins 4 en esquive. Ça a commencé à se voir. Donc Mitraille touchera les 3. Mais c'est Mitraille qu'il fallait faire 1000 fois. Il a... J'ai rien pour toucher derrière avec mon croisé. Ma vie c'est de la merde. On va essayer étourdir. On voit le malus. Résistance à l'étourdissement 50%. Je tente le sombrero malgache. Oh oui. Il y a moult sub. Putain mais j'entends mal, il va falloir que je remette le son des notifs plus fort. Oh là là, mais il y a tant de monde. Merci beaucoup Onibi. Oui merci beaucoup Onibi, Jump 9660, Ranger League, Marasme31 et The Pity. Et ceux qui sont de retour bien évidemment. Mitraille, c'est la mitraille. Mais c'est faible. Ça commence à être douloureux hein. Il est plus étourdi déjà. Résistance à l'étourdissement plus 40% pendant un tour. Car il a été étourdi au préalable. Donc là il a 90% de résistance. Donc 0. Donc casser le cul. Putain c'est fou. Merci beaucoup Dryfun. Bienvenue. J'ai tellement mourir. Tellement mourir. Tellement mourir. Ah oui attendez. Faudrait que je me bouge ailleurs. Bah là ça a l'air d'être toujours inoccupé. Quasiment. Formidable. Ok. Eh mais il va mourir. Saignement. Un point de vie. Et ça le soigne pas. Il va tellement mourir. Tellement mourir. Cadavre. La plupart des monstres laissent un cadavre en mourant. Celui-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître tout seul. Vous pouvez attaquer les cadavres pour les détruire plus vite. Ah oui, c'est vrai que ça a été rajouté après ça. Mais il est souvent plus judicieux d'utiliser les compétences d'attaque à distance, de déplacement ou même certaines compétences spéciales qui permettent d'éliminer les cadavres. Les monstres tués avec saignement, infection ou par un coup critique ne laissent pas de cadavres. Adieu, petit voleur. Ah, il a résisté à la mort. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, la porte de la mort. Quand un héros tombe à 0, il est à l'agonie. Dans cet état, ses stats subissent des malus et tout dégâts supplémentaires risquent de le tuer. Soignez-le pour qu'il ne soit plus à l'agonie. Mais je n'ai rien pour le soigner, donc il va falloir gagner. Ah, il n'a jamais joué au jeu. Mais ça fait très... J'ai joué au jeu en early access. J'ai joué au jeu avant. La boule magique. Avant que vous fassiez les professionnels sur le jeu, j'y ai joué en fait. Alors, mais je n'y ai pas joué depuis. Bienvenue Logos. Alors, accomplir une quête. Après avoir accompli les objectifs d'une quête, vous avez l'option de retourner en ville à tout moment. Il suffit de cliquer sur le blason. Et puis c'est important, la première fois qu'on restream un jeu depuis très longtemps, d'expliquer ce qui se passe pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein, voilà. Bon, bien sûr, bonjour, hein, bienvenue. Bienvenue, hein. Donc on pourrait continuer l'aventure, mais il n'y a rien d'autre à faire, on a tout fait. La boule magique. Ah si, le trésor, il n'a pas été pris. Ah bah si, prenons le trésor. Il est piégé. Allez, infection et rien d'autre. Bon bah maintenant, je veux bien rentrer à la maison. Comment on quitte? I want to quit the donjon. Mais non, je ne veux pas refaire un trajet nul. Faut juste que je clique sur quête accomplie, oui c'est ça. Ok. Allez, moult trésors et donc oui les legs, les blasons, on va y revenir. Tout ça c'est pour augmenter des choses à la ville. De l'expérience de détermination. Et ni bonus ni malus, très bien. Pas de niveau surtout. Allez le hameau, le lobby, c'est là que ça se passe. Le trésor s'appelait trésor piégé de bandits. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup Logos, Manouch, KTV et Mage du Désert. Alors. Oh là là, non mais calme-toi. Oh les objectifs infinis du gardien. Casser les couilles. Très bien, donc on a Reno et Dismas, ce sont nos sbires de base. Pour l'instant on n'a pas grand chose hein. Sur n'importe quel écran du jeu, appuyez et maintenir sur H pour l'aide. Très bien, ça se souviendra. Help. Pour l'instant on a la diligence, le cimetière et mémoire ancestrale, on s'en fout. Bon, il y a la diligence, est-ce qu'il y a des héros? Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Alors, voyons voir ce qu'on nous propose comme classe. Ça va être incroyable. On a... ok. Postulant Vestal, donc... mais c'est pas les prêtresses de guerre, ça, les prêtresses? Ah, et le médecin de peste, évidemment. Le plague docteur. Ok, bon bah... De toute façon, pour l'instant, on a besoin d'avoir un groupe de 4. On peut améliorer chaque bâtiment. Donc là, par exemple, la diligence, on peut l'améliorer en effet. Ici, si j'investis donc... ces fameux legs que j'ai obtenus, blason, actes de propriété, bustes et portraits, je peux par exemple faire en sorte d'augmenter le nombre de héros qu'on me propose à chaque fois dans la diligence, ou augmenter ma capacité, la capacité de la liste de mes recrues, car pour l'instant je n'ai que 9 recrues disponibles, possibles. Et on peut avoir des recrues plus expérimentées, ah c'est bien ça. Mais ça coûte tellement cher du cul parce qu'il faut augmenter d'autres bâtiments. Gros chat en tout cas. C'est l'avantage d'avoir le chat sur un autre écran. En fait. C'est que là par exemple je peux profiter du jeu. Bienvenue bien sûr sur ce stream. Alors oui, c'est parti. Il n'y a pas grand chose à faire en ville pour l'instant. Ben oui, tout à fait, il n'y a pas grand chose à faire vu que là, c'est juste pour voir des stats et compagnie, donc on s'en fout. On va peut-être les réorganiser. Si je fais clic droit, je crois. On va voir. Donc oui, chaque héros, bien entendu, a des attributs particuliers qui vont évoluer au fil du temps. Des bonus. Par exemple, ici, lors d'un campement, les soins de ce plaque docteur sont meilleurs. Mais également des phobies et autres maladies. Dégâts de stress plus 20% dans les tanières. Donc quand on sera dans les tanières, il aura masse de stress pris. Obsession pour l'auto-vénération. Il est égomaniaque. Ok. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Cible les impies. Bonus contre les impies. Endurance PV max plus 10. Bravo. Dégâts moins 10% si PV à moins de 50%. Fatigue et diurne. Vitalité. Non, vitesse. Moins 2 si torche à moins de 26. Ma vie, c'est de la merde. Ok. On va les renommer bien sûr. Comment on fait? Ah bah c'est là. Ah ce héros nul alors que c'est le héros par défaut qui va crever. C'est moi bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah oui c'est vrai qu'il y a la palette. Incroyable. Oh là là. Que de bonheur. Le voleur bien sûr. Adrien Nougaret. Rend l'argent. Ah bah faut mettre le vert. Le vert de Nougaret. Il n'y a pas de vert, c'est pas clair. Il y a un jaune pisse. Ah. Le plaque docteur évidemment. Le toucher rectal. C'est pas clair. On l'appelle le docteur dans le milieu. Alors. Hop. Et évidemment Diam's. Diam's évidemment. Alors. Très bien. Donc. C'est pas tout ça. Il faut maintenant penser au placement. On voit le placement préféré. De chaque personnage ici. Où ils ont le plus de choses possibles. D'attaques. Évidente. C'est une femme le plaque docteur, bah, c'est Cédric Siré. Ici on fait pas dans la préférence des genres, on ne juge personne. C'est Cédric Siré. Alors, grâce divine, soin 3-5 utilisable dans le fond, rang 3 et 4. Évidemment grâce divine c'est très bien, c'est un soin. Et Dieu sait que ce sera important. Comme le soin du stress également. Et ça on va voir ça du côté de Cédric Siré. Bien entendu. Lumière aveuglante à distance. Donc on a du DPS quand même. Même si le modificateur de dégâts est de moins 75%. Mais 100% d'étourdissement. Donc c'est pas de la merde, c'est pas de la bite en bois. Et on augmente notre torche. Ce qui on en reparlera, peut être très bon comme très mauvais. Et le jugement, évidemment, le chat vous juge. Donc tout ça, c'est utilisable en 3 et 4, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dégâts moins 20%, critique 5, précision de base 80, soi-même, soigne 3, PV. Comment ça? Donc attaque à distance plus soin. Plus soin sur elle-même. C'est formidable. Illumination à distance, précision. Ah, et ça c'est seulement utilisable en 1, 2, 3 et pas en 4. Dégâts, torche plus 5, malus cible, esquive moins 20. Ok. Donc en fait elle est très bien en 3. Tout dépendra de ce que peut faire Cédric Siré. Cédric Siré 3 c'est son slot préféré. La grenade infectieuse est très bonne. Très très sympa. Vu qu'on peut mettre infection, donc qui est un peu comme le saignement du dégât qui va être progressif au fur et à mesure et qui touche les rangs 3 et 4 en même temps. Incision, il faut être en 3 pour avoir une attaque de corps à corps qui fait du saignement. Soins militaires, soins nuls pour l'instant parce que les, évidemment chaque compétence peut être montée en niveau et là elles ne sont que niveau 1. Ah ouais. Et ça soigne de saignement et infection. Ça utilisable derrière, vapeur enhardissante, utilisable de partout. Les boosts de dégâts et c'est ouais, c'est pas ouf. Ce qu'on a, il avait pas un soin du stress lui? Bref. Ça, pour augmenter les personnages et leur faire apprendre de nouvelles compétences et améliorer leurs compétences, ça sera vu plus tard. Donc, de toute évidence, Zerator, lui, il est bien en 2. En 2, ça fonctionne. Et Mister MV, visiblement, en 1, ça a tout son sens, bien entendu. Ok. C'est juste choisir si on met Cédric Siré en 3. Si on le met en 3, on a accès à l'incision. Si on met Diam's en 3, on a accès... à l'illumination. On va mettre Cédric Siré en 3, je pense. Ok, embarquons. J'ai déjà saigné Darkest Dungeon. Non, Darkest Dungeon, on y a peu joué. En fait, c'est un jeu que j'ai trouvé formidable, mais on y a joué en Early Access, donc on n'avait pas vu énormément de choses. Et aussi, l'autre souci, c'est que... moi j'aime bien les jeux où on rejoue les mêmes héros, enfin je m'attache assez facilement aux héros. Et le fait qu'on doit justement avoir des rotations très fréquentes de héros parce que les héros pètent les plombs au fur et à mesure qu'on joue, c'est quelque chose où j'ai du mal à m'adapter. Un peu comme Cthulhu en jeu de rôle quoi. C'est quoi ça? Moyenne? Ah c'est déjà un donjon moyen, ténébreux niveau 6. C'est-à-dire que c'est l'angoisse, faut que je prenne un donjon de sbire. Donc c'est où? C'est quoi? Pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Donc on va aller là. C'est un donjon d'exploration comme nous... Enfin, un niveau d'exploration comme nous l'indique cette icône. Donc explorer 90% des pièces pour réussir. C'est un donjon court, donc on n'a pas besoin de camper et de prendre d'affaires de campement. Faut que je prenne des provisions. Bah oui. De la nourriture et des torches, il nous faudra. Mais combien? Je me souviens plus du tout. Parce qu'en gros, il va falloir manger de temps en temps. Ils auront la dalle. Enfin, faut prendre des repas. Donc, si je prends 8, je prends pour 2 repas. C'est suffisant. 8 quoi? 8 nourriture et 4 torches. En sachant que ce qui est pas mal, c'est que j'ai Diam's pour la lumière. Et aussi moi-même, d'ailleurs, pour remettre de la torche. Comme il se doit. Huit torches. Oh non. YOLO, j'en prends 4 et on va mourir tout de suite. Alors il serait tentant de prendre des pelles parce que les obstacles, les pièges, c'est terrible. Ça serait tentant de prendre des passe-partout pour ouvrir les trucs, les compartiments cachés ou améliorer le loot de certains coffres. Le problème c'est que ça coûte la peau du cul. Et est-ce que ça sera rentabilisé? Personne ne sait. Bon allez hop. On a dépensé beaucoup d'argent, espérons que ça soit rentabilisé. Je les garde les clés de toute façon. 8 torches à Saifis. Bon. Mais j'ai deux unités qui s'occupent de la lumière. J'y crois à mort. N'hésitez pas à donner plein de bits. Hein. Tous les 1 million de bits, vous avez une chance de rentrer dans une tombola pour éventuellement être un des héros du jeu. Mais surtout, n'oubliez pas, taisez-vous. Alors, merci beaucoup Hyrein3890, bienvenue, ainsi que Iruxus. Oui. Whiskeyway. Ankalagodinir. Et toutes celles et ceux qui resub, bien sûr. Alors, on y est. On y est, on y est. Donc voilà, pour l'instant, la lumière est radieuse. Vous voyez, max d'esquive, max de repérage, max de monstres surpris. Mais moins, bien sûr, de loot. Je peux éteindre la torche directement et me mettre dans une situation extrêmement stressante. Mais, une situation, bien sûr, où j'aurai de meilleurs loot. Mais c'est un peu de la bite. Donc j'ai déjà 20 de stress, hein, bien entendu. C'est ça qui est génial. Avec à peu près tout le monde. Et c'est terrible. Ah oui, mais c'est à 200. Il y a longtemps, je crois que c'était à 100 au tout début, le stress. Mais bref, le stress, c'est terrible. Une torche gratos? Yes. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de torche. Et plus ils seront stressés, s'ils arrivent au maximum du stress, ils pètent les plombs et en général développent des pathologies de pire en pire. Pourquoi? Allô? Ah oui, c'est vrai. Faut que j'appuie vers le haut. Bonjour, une petite bataille. Bon, 8 squelettes et on les a surpris, hein, sûrement grâce à la bonne lumière. Donc ça risque d'être un petit peu anecdotique. Incision corps à corps. Et là, s'il ne peut pas utiliser la grenade infectieuse car les deux sont devant et pas derrière. Donc ils ok. Il y a quelqu'un à soigner? Non, pour l'instant. J'ai pas de soin de stress alors, on est d'accord. Hein. Ça, c'est un petit peu badant. Bon bah, incision du coup. Paf! Il a résisté au saignement. Ah oui, ils ont 200% de résistance au saignement. En même temps, ce sont des squelettes. Donc ça a du sens. Mitraille. Ah donc voilà. En fait, tout le problème du cadavre, c'est que oui, si on avait des trucs qui tamponnaient vachement le rang 1, le cadavre nous gêne. Donc, le jugement de la miss. Pas besoin de soins vu qu'on est bon. Alors à la limite, je peux faire lumière aveuglante si je veux récupérer de la torche. Donc je fais ça. Et la lumière, voilà, on a récupéré 6 de lumière, c'est assez moins cher que gratuit. C'est fou. Torche plus 20. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ah oui, mais utilisation restante 1. C'est limité en quoi? Par combat ou c'est limité par donjon? Je me souviens plus. Il y a eu tellement de choses qui ont changé de toute façon. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Meurs de décès. Paf. C'est par combat, merci beaucoup. C'est le bard qui a mis moins de stress. Ah oui, le bard ménestrel, Julien Chiez. Un coffre antique et son contenu inconnu repose sur le sol glacé. Donc on nous dit bien que le coffret est déverrouillé. Le problème c'est que, alors j'imagine que ça vient avec la connaissance au fur et à mesure du jeu, c'est que des fois, même si ça a l'air safe, ça peut être rentable de mettre une clé, un passe-partout en plus, pour trouver par exemple un compartiment caché. Mais, des fois c'est juste de la bite en bois. La boule magique. Par exemple, là tout le monde me dit clé, 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 clé. Mais en fait, c'est de la merde et les gens disent n'importe quoi. Donc j'ouvre le coffre. En fait, je crois que par défaut, je vais faire le contraire de ce que me disent les gens qui parlent très très vite. Car en général, ce sont des fausses informations qui sont relayées. Fake news, fake news. Ok, je prends tout, c'est plutôt cool. Pelle et torche gratos. C'est beau un monde qui joue. Ah, quoique le problème, c'est que tout ça, je le garde pas, je crois. Je dois racheter à chaque fois. Enfin, je crois que c'est une énorme baise. Allez, on essaye de repérer. Et il y a eu repérage. Et si je zoome, je vois donc que le prochain couloir, eh bien, il y aura une bataille juste avant l'arrivée à la pièce. Et un obstacle, peut-être, où nous aurons besoin d'utiliser notre pelle. Voilà. Alors ça, typiquement, les gravats... Si on essaye de les déblayer à la main, on va récupérer genre 10 ou 20 de stress et c'est extrêmement la merde. Donc on va utiliser une de nos pelles. En plus on en a re-looté une. Comme ça, paf, c'est gratuit. Sans stress. 64 lumière faible. On approche de la fameuse bataille. Personne n'est surpris, égalité, d'accord. Bon, saignement on a oublié. Alors on a l'acolyte adepte, ça peut être pénible. Mais on a la mitraille, allez la mitraille. Putain, il ne mise pas. Bravo, Adrien de Carré. On a grenade infectieuse qui toucherait juste derrière, mais c'est pas mal, hein, parce que ça... L'infection, 4 points par tour sur 3 tours. Si elle se fait infecter et qu'on la met à 4, et bah quand ça sera à son tour de jouer, elle va mourir de décès. Insta. Elle n'a que 20% en plus de résistance. Moi, je dis pourquoi pas. Ah mais il fait que 1 de dommage. Ah oui, c'est vrai que le dommage est nul. Donc en fait, non, pas assez cher. 6, putain, Zerator qui prend tellement cher. Voilà, elle a perdu 4 mais c'est pas assez. Incantation stressante, ça fait peu de dégâts mais plus 17 de stress. La lumière s'affaiblit, le niveau de torche affecte fortement un grand nombre de mécanismes dans le jeu. Plus il fait sombre, plus les choses se compliquent, mais meilleures sont les récompenses. Un nom d'un fion. On pourrait donc utiliser une torche. Voilà, stress plus, précision et dégâts des monstres plus, héros surpris plus, mais butin plus. Ok. J'accuse. Lumière aveuglante. Est-ce qu'elle meurt? Oui, elle meurt au prochain truc vu qu'elle a que 3 points de vie. Et elle prendra 4 d'infection. Donc lumière. Étourdi, parfait. Donc il serait en fait lucide là de gagner du temps. Vise le cadavre. Bravo. La mort. Les soins militaires. Donc soignons. Soignons donc le sbiru. Je vais voir si ça soigne le stress, mais je pense pas. Soin 1. Pas de soin de stress, bien sûr. Soin. Grâce divine. Sûr, bien sûr. La Zerator, étourdi, ça y est, il sort de son étourdissement. Là, on utilise la grosse lumière et torche plus 20 du coup. Ah, et d'accord, ça le marque. En gros, l'ennemi devient attiré par ce mec. Is ok. Un point de vie, ah oui, d'accord. Soin. Oh là là, le critique. Oh là là, et le critique enlève du stress. C'est beau un monde qui joue. Allez, go. Give them no quarter. 25 pièces d'or et moult pierres précieuses qui se revendent, bien sûr. Pas mal, c'est plutôt une bonne opération. Lumière faible. Allez, tentons. Je n'utilise aucune torche. Je crois que vous allez me juger. On va en claquer une. On est à 87. Et on va faire un petit repérage. Voyons voir, dans les deux cas on aura une curiosité. Ah oui, on a fait un beau repérage là. De toute façon on va essayer de relativement tout visiter. Donc ici cette pièce là c'est une pièce avec un combat et une curiosité. Tandis que là c'est une pièce avec un combat et un trésor. Pour l'amour du loot. Bon allez, on est au début, on joue safe. Petite torche. Donc on aura un trésor en 3ème case. Une curiosité, pardon. Allez, on a piffé le sac. Un passe-partout et une émeraude. C'est plutôt cool. Ah, lumière faible, un peu de stress. On va peut-être le... Mon overlay dépasse un peu vers le bas. Ah! Ah oui, ça cache la vitesse. Ah sinon je vais rendre le jeu plus court. On les a surpris. Oh my god. Too easy. What a life. Attendez. Pourquoi les notifs sont si petites? On voit quasiment rien. Attendez, pour le coup je m'éclate. On s'éclate. C'est fou ça. Ainsi soit-il. Ok. Allez. Donc ça c'est très très bon. Ils sont surpris. Et bien paf. On a un tour d'avance. C'est royal. Saignement c'est pas mal aussi hein, bien sûr. Tentez. Une petite infection, ça marche bien. Résister. Bah oui, c'est de la merde. La lumière aveuglante. Elle est full life, hein, de toute façon, oui. On se torche gratos. Petite lumière aveuglante. Je l'ai joué un petit peu trop serein, là. Je fais pas assez de dommages. Donc on va mettre un petit peu de violence dans le game. Ah mais d'accord, surpris que dalle, elle y va direct. Moi je pensais que tant qu'ils avaient ça, ils étaient en mode zéro. Mais pas du tout, bien sûr, c'était trop simple, ils sont pas étourdis non plus. 32 stress. Ah, visiblement, Zerator a la cible de choix. En fait, mieux vaut que j'ouvre le combat en faisant le truc qui fait que je deviens un peu la cible principale. Ça va être très efficace. Il y a un peu de lumière. Ah, contrat. Des trucs pour augmenter les bâtiments, entre autres. Et des ressources. Alors attention, qu'est-ce que c'est que ce coffre? C'est un coffre ancestral orné du sceau de ma famille. Bon bah là, je peux tenter la clé. Et la clé ouvre un compartiment secret. Les dés porte-bonheur uniquement pour la classe bouffon. C'est une amulette commune. Précision plus 4, esquive plus 4 tout de même. Alors oui, on trouve énormément de trinkets, évidemment, qu'on peut équiper. Vous voyez que j'ai armes, armure et deux ornements supplémentaires équipables sur chaque personnage. Mais là, on trouvera que de la merde pendant un long moment. Oui, saignement contre les squelettes ne marche pas. Ce qui est assez logique. Ok, on n'a pas de grosses infos, on a un piège en 3. Ça stresse. Le fameux piège. Alors qui s'en occupe? Pourquoi on me propose pas de le déverrouiller? Pourquoi ma vie c'est de la merde? Pourquoi on ne me propose même pas? D'ailleurs ils ont des stats, hein, by the way. En piège, il doit avoir des stats. Voilà, 20% pour désarmer pour moi. Je peux pas changer de perso direct d'ici. Je sais pas. 20% pour moi, 50% évidemment pour Zerator, mais c'est logique, c'est un bandit. 20% pour Cédric Siré et 10% pour Diam's. Je dois juste cliquer sur le piège. Ok. Mais je croyais qu'il allait être en surbrillance. Ah, le désactiver lui enlève du stress. C'est double bonne nouvelle du coup. Is ok. Pénombre. Bon, ça commence à faire beaucoup. Même si le butin est meilleur. Je pourrais totalement me fuck la lumière, hein. Beaucoup de joueurs le font d'ailleurs au bout d'un moment. Si vous voulez looter en mode hard. Hardcore. Cette salle était vide donc. Repérage. Que dalle. On pourrait faire un aller-retour mais ça m'emmerde. Normalement si j'esquive juste cette salle, on aura quand même fait la majorité du truc. Le sac sera-t-il piégé? Eh non, il contiendra juste du butin. Oh mon dieu, de la nourriture. Oh putain, mais finalement on a pris beaucoup trop de bouffe d'ailleurs. On m'a même pas proposé de manger encore. On avance trop vite. La fin n'est pas arrivée. Peu de stress. À chaque fois qu'il y a un peu de... Ah bah voilà. Mange 4 nourritures et regagner 5 de santé. 5% de santé, ne pas manger, subir 1% de dégâts et du stress, ça va pas? Hop. Easy money. Sinon, manger à la zub vous soigne de 1. Mais c'est un petit peu à la tristesse. Tu peux cliquer... Ah mais oui, je suis con, ils le disent en plus. C'est juste que mage plus clic machin, ça voile la torche. Ce qui est plutôt badant. On aura un obstacle en fin de couloir. En effet. On est bien d'accord qu'on ne garde pas les consommables, hein. Ok, obstacle into pelle. Finalement un premier donjon relativement tranquillou. Oh là là, il y a tellement de monde! Et j'ai pas eu la surprise. Un gobelet de tentation. 15 de stress. Zerator qui se tape tout le stress du monde. Là on pourrait buffer le voleur. Saignement contre les squelettes. C'est pas ouf madame. Bon bah la mitraille, hein. Peu efficace. Le carreau d'arbalète. Esquive. Donc là... Obvious grenade infectieuse. Infection, ils ont quasiment pas de résistance. Ils vont prendre 4 de dégâts à chaque fois, ce sera leur tour. Et c'est plutôt une grande nouvelle. Est-ce que je fais le boost? Bah non, mais torche on a. Protection plus 25%. Retire l'étourdissement. Le problème c'est que les autres sont pas des badass. Ou bien je le transforme en cible humaine. Ou bien j'accuse. J'accuse. Très bien. Petit jugement. 6 et 14. Jugement, elle enlève combien? Jugement. Modificateur de dégâts, moins 20%. Dégâts 3, 6. Entre 3 et 6. Bah c'est bon, non? Bah bien sûr. Donc il va mourir. Lui, il va mourir avant même de pouvoir faire quelque chose. Attention. Aïe. Ça va. Hop, le décès. Et du coup, ça fait avancer l'arbalétrier. Qui du coup va peut-être se retrouver dans la merde. Car il a peut-être moins de coups intéressants quand il est en 3 qu'en 4. Paf. Esquive. L'arbalétrier. Motherfucker. On peut, hein, si on désire, bien entendu, lui remettre un petit coup de... On peut l'infecter x2. Voilà, double infection. Il prend 8. Ça ne suffira pas, hélas. Zerator qui se prend le critique. Et qui est déjà à 46 de stress. Abrutix. Les deux autres vont mourir de toute façon. Enfin, celui de derrière va mourir. Pas lui. Aïe aïe aïe. Et évidemment. Poids mort. Coup de bouclier 4. Et j'ai résisté. Il essayait de me mettre quoi? Il essayait de me mettre... Ah oui, il essayait de me déplacer. Oui, ça c'est assez aussi dans les coups les plus chiants. Il y a plein de coups qui permettent bien entendu de faire bouger les lignes. Lui il meurt, on est d'accord. Lui il meurt next turn. Ah ouais mais j'ai rien pour soigner le stress donc ça sert à rien que je tryhard en fait. Ah ça va faire baisser son stress le critique. Oui. Bien vu le veau. C'est pour le plaisir hein, de toute façon c'est terminé. Et il va mourir mais j'ai envie de le voir mourir seul. Bravo. Attendez, il faut que je prenne mon trésor bien sûr. C'est un coffre ancestral, j'y mets ma clé. Le compartiment secret. Ah ah. 8 blasons, 4 bustes, c'est plutôt beau. Pas assez de place dans l'inventaire. Motherfuckers. On est bien d'accord qu'on garde pas ça de toute façon. Donc paf. Et let's go. Succès déverrouillé, la première d'une série de victoires. Ah bah oui, c'est vrai. Je recommence d'une nouvelle sauvegarde au final. Petite bière sans alcool, bien sûr. Incroyable. Du cul. Donc au final, on a récupéré 4750 en trésor. 3000 pour la récompense de quête, donc 7700. Oui, c'est vrai que même si on a dépensé moult d'argent, finalement, c'était assez safe, assez large. Et donc, plein de choses. Ça tombe bien, vu qu'on va sûrement nous proposer des premières upgrades de bâtiments. De l'expérience de détermination. Qu'est-ce qui se passe pour Zerator qui prend un niveau? Il prend un malus, photosensibilité. Dégâts moins 10% si torche à plus de 75. Merde. La boule magique. Diam's par contre prend un bonus en chasse d'horreur, plus 15% de dégâts contre le type d'ennemi horreur, dégâts de stress, moins 15%. Tellement magique. Formidable, tellement magique. Merci beaucoup eLive Mysticis, l'ancienne. Celine Moi, bienvenue. Moi. Bienvenue, merci. Tomatator également, eLive Mysticis, donc Overcrash 3181. C'est fou. Et NSS Tcha. Nyama, on a dit Noir. Oh, il y a trop de monde. Oui, on a dit. Merci beaucoup. Retournons à Hameau donc. Très sale. Ah, salut Technologique. Et bisous. Donc voilà, les attributs négatifs, on peut les faire sauter. Ah, ils seront verrouillées au fil du temps, d'accord, elles deviendront sévères. Donc voilà, il y a des choses, il y a le sanatorium pour soigner et pour également faire descendre le stress, mais c'est un petit peu l'angoisse. Donc l'abbaye. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que quand bien même on les emmène ou bien à la taverne ou bien à l'abbaye pour faire baisser leur stress, ils peuvent développer d'autres tares. Donc c'est le cercle vicieux du cul. C'est là que le jeu m'énervait beaucoup. Bref, expérimenter pour trouver la meilleure activité pour chaque héros en fonction de ses attributs. Et le problème évidemment c'est qu'on perd le héros, on ne peut pas l'utiliser pour la prochaine quête. D'où l'intérêt de recruter moult héros. Et voilà, par exemple ici, donc le cloître, la paix par la méditation, mais quelqu'un occupe ce slot pour l'instant. Transept prier une puissance supérieure, salle de pénitence, la flagellation mène à l'absolution. Mais le problème des fois c'est que votre personnage peut devenir par exemple masochiste. Si vous l'emmenez là, il y a aussi des personnages qui n'accepteront que une activité pour faire descendre le stress qui peut poser d'autres problèmes. Donc à la taverne évidemment on a des activités un peu perverses. Noyez vos problèmes dans l'alcool au bar, ce qui risque de créer un alcoolique. La salle de jeu évidemment, qui risque de créer un joueur invétéré. Et la maison close, évidemment la luxure et l'addiction au sexe. Bon, pour l'instant le stress c'est gérable. Zerator il a combien? 39. He's ok. Peut-être qu'il nous faut c'est un ménestrel. Allons voir la diligence pour l'instant. Bien entendu on a peu de choses d'ouvertes hein. Ça va être débloqué au fur et à mesure. Le maître chien. Alors attention, hein, j'ai joué au jeu quand il était en early access, donc ça se trouve il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Par exemple, l'antiquaire ne me dit absolument rien. L'antiquaire donc, qui peut jouer un peu partout mais qui est plus à l'aise derrière. Coup nerveux, corps à corps, précision de base, 90. D'accord, tout simplement. Ah mais peut le faire de n'importe où. Ah c'est dommage parce que ces attaques de base, on ne les a pas. Là. Évidemment, chaque fois qu'on a accès à un nouveau perso, ça va débloquer au pif 4. Des compétences qu'on a ici et pas forcément les meilleures. Poudre aveuglante, utilisable de n'importe où sur n'importe qui. Précision de base 95. Modificateur de dégâts moins 100% donc 0. Malucie, précision moins 5. D'accord, oui, c'est juste pour lui défoncer la précision. D'accord. Calme. Et on voit que calme... Ok. Vapeur revigorante, d'accord, c'est un bonus. C'est pas ouf, hein. Enfin, c'est un buffer des buffers, quoi. J'ai de la thune en plus. Pour. Antiquaire OP pour farm. Ah bon? J'essaie de voir pourquoi, en fait. Ah, peut-être pour le campement alors du coup. On n'a pas vu les campements encore, hein. Les campements n'interviennent que dans les gros donjons, les donjons larges. Et le maître chien alors. Oh là là, il est rigolo avec son doggy. Bubbarman. Mappage du wild, chance de repérage plus 1% dans le wild, soin de stress reçu moins 10%. Assaut canin. 85% de précision, modificateur critique 2%, saignement 100%. Dégâts plus 15% contre une bait, plus 60% si on a marqué l'ennemi au préalable. Évidemment, harcèlement canin qui a l'air toucher tout le monde, mais pour peu de dégâts, mais qui crée du saignement, c'est bien ça. Et verrouillé. Et ça, pour le déverrouiller, c'est chiant, c'est plus tard. Chien de garde. Ah oui, mais là, il a que les buffs défensifs. Protège un allié. Bonus sur soi, esquive plus 15. Ah, le chien protège. Lécher ses plaies. Soigne 5 PV sur soi-même. Blackjack, corps à corps. Étourdissement, 125%. La boule magique. D'accord. Je suis mitigé, mais de toute façon c'est le début, donc on prend tout le monde, hein, monsieur. C'est pas clair. Zut, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme personne du game qui adore les chiens? Parce qu'on connaît Kayane évidemment. Marie-Laure, hommage à Marie-Laure, avec son Inou. Mais là, c'est un barbu. Ah, sinon, c'est un punk à chien, quoi. C'est un mec de Montpellier, quoi. C'est un mec de Toulouse. Je dis n'importe quoi. C'est punk à chien, quoi. Ah, c'est Amintos TV. Amintos, hyper barbu. Ouais, c'est Amintos TV. Vendu, c'est Amintos TV avec son pug. Mais son pug, il ressemble plus à un Milou de Clodo, quoi. Ah, c'est Dark Mintos. Voilà, paf. Et là, bon, alors c'est un mec ou une meuf? On sait pas. Hein. Si, c'est une meuf. Qui vient apporter évidemment je ne sais pas quoi avec sa lanterne. C'est une dame. Ah, c'est Miss Giraciste. Ok. Mais je suis pas sûr qu'on va l'utiliser du coup parce que bon... moi ça me parle pas trop hein, ces compétences pour l'instant. Bref, à voir. Je pense que je vais garder ma team de potes célibataires pour l'instant. Quoi qu'on pourrait peut-être tester Amintos TV. Et on a toujours personne pour faire baisser le stress, ça aussi c'est un peu chiant. L'antiquaire fait gagner plus de loot. Ah d'accord, ça c'est deux bases. Coût d'amélioration d'armes, moins 20%. Ah bravo. On n'a pas le détail. Renvoyer le héros, bah non. Et on n'a pas ce détail là, ce détail des trucs de base. Donc il loot mieux, ça loot mieux. Très bien. Je devrais up la diligence. Ah oui c'est vrai que je peux le faire ça. C'est quoi ça? C'est les alertes à... Ah oui d'accord. Je peux basculer de bâtiment en bâtiment d'ici. C'est du génie. Alors si on veut augmenter la diligence par exemple pour qu'il y ait plus de héros disponibles. 3 pactes, 4 boucliers du cul. J'en ai 12 et 44. Alors, attention cependant parce que ça se... les actes de propriété ça se loot pas tant que ça. Allez, c'est cadeau. On aura 3 larrons la prochaine fois et ça tombe bien que vu que pour l'instant ma limite est à 9. Allez, ça suffit. Allons-y. Donc pour l'instant on est toujours dans les ruines évidemment. Niveau 1 semble-t-il. Donc on a plusieurs quêtes moyennes. Ah moyenne c'est-à-dire qu'un campement. Apprenti niveau 1 donc c'est ok. Compléter 100% des batailles de la chambre. On peut les tuer, on peut les vaincre. Les loots or, portraits et des bottes épaisses. Résistance au déplacement plus 40%. Ah oui, déplacement de ligne. Protection plus 20%. Vitesse moins 2. Bah ça c'est nul. Talisman de chirurgien, soin administré plus 15. Pas mal. Sur l'exploration encore. Donc on a 2 courtes et 2 moyennes. Chance de groupe surpris, moins 20%. Pas mal. Vitesse, moins 1. Saut du défenseur uniquement pour les croisés. Alors c'est WAM le croisé. Protection plus 5, critique plus 5%. Critique, moins 1%. Alors est-ce qu'on va essayer... On va essayer une moyenne peut-être pour une fois. Merci beaucoup Nyama Noar. Non mais ça c'était avant. Putain, j'ai pas remonté. Rien ne s'est mis à jour. Ah, Bernard Ménez, 21 ans, incroyable. Merci Oshilaf, Skenyaher, Zach, Hugo Pango. Oui. Malx. Hallucinant. Wesh, wesh, les amis. Achète du stuff. Non, les provisions, ça va se faire là. On va tentons ça. Ah, quoi qu'on va peut-être faire un truc de bataille plutôt. Bataille de la chambre. Ah, mais ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les bottes ou ça? Plus le taillissement, c'est pas mal le taillissement. Allez! Ah, il faudra mettre la pub aussi. C'est trop le jeu de la pub. Cette quête inclut un campement. Et camper requiert du bois à brûler. Alors j'ai pas du tout regardé les aptitudes de campement. Ça sera intéressant mais on va comme ça on le verra. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce bois est automatiquement fourni pour les quêtes appropriées. Le campement donne une chance au héros de récupérer pendant un donjon si votre... Et oui, le bois a brûlé, donc j'ai un campement. Ok, donc 2 pelles. Ah, maintenant c'était une. Bon, bah 2 pelles, 2 clés. Donc, on va prendre plus de torches. Ah, et ça prend 2 slots. Ma vie, c'est de la merde. Allez, 12 torches. Et combien de nourriture? On a pris 8 pour un petit. Non, mais c'est trop. Je pétais les plombs. 15, 16, allez 16. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Ça se trouve, on va se faire dominer le cul. Dominateur. 20 de nourriture. La bouffe, c'est jamais assez. Prends toute la bouffe. Donc, je fais 12 x 12. Enfin, 12 x 2. La boule magique. Trop de nourriture. Oh là là, mais putain, mais ils se... Oh merde! Il me les a bien placés? Oui, normalement, ça n'a pas bougé. Ah, Fatal Ranouka, bonsoir. Merci beaucoup, Norel, bienvenue. Tu as équipé les objets que tu as loot? Non, j'ai pas équipé une amulette. Oui, j'ai peut-être... j'ai pas fait gaffe si j'ai droppé une amulette ou un truc bizarre, un équipement spécial lors de la précédente quête. Il faut que je clique, c'est bon, clique salope. Oui, évidemment. Eh bien, des bisous YouTube, à un de ces jours, un jour on se retrouvera, mais moult post-blanc. Des bisous.